Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner le message de l'univers pour notre magnifique journée du 30 juillet 2021. Alors, je tenais à vous rappeler qu'il y a, durant toutes les vidéos depuis ce week-end, un mot-clé dans chacune d'entre elles pour vous permettre de gagner un tirage gratuit, privé. Donc n'hésitez pas à les regarder, surtout ne mettez pas les réponses dans les commentaires, déjà ça augmente vos chances de gagner et ça permet aussi à tout le monde de jouer le jeu. Donc je serai là ce vendredi à 23h heure française pour vous donner le nom du gagnant. Voilà, je poserai la question et la première personne qui répondra correctement, eh ben, la personne gagnera son tirage privé. Allez, c'est parti pour le message de l'univers. Alors aujourd'hui, l'univers nous envoie le mot du triomphe, nous envoie aussi le mot qu'il va falloir se plonger dedans, il va falloir donner tout son cœur et toute son âme dans ce travail, dans ce que vous voulez voir se réaliser en vous investissant sur vos projets, sur la situation dont vous souhaitez changer dans votre vie, vous permettra de récolter, vous permettra aussi d'augmenter vos finances. Certains d'entre vous, il y a une augmentation de votre pouvoir d'achat, le fait que vous vous réalisez, vous allez au bout des choses et l'univers vous encourage en tout cas à continuer, puisque derrière tous ces efforts, ben, vous allez recevoir une récompense. Ici, certains d'entre vous, il y a des habitudes quotidiennes que vous avez commencé à entamer et l'univers vous dit bravo, puisqu'il vous récompense, puisqu'il vous donne des ouvertures, des solutions. Il y a un long voyage encore, certains d'entre vous, vous pourriez voyager, avoir un long voyage, un long déplacement aussi à faire aujourd'hui. On te dit que les choses se passeront dans l'ensemble plutôt bien. C'est aussi le fait de bouger dans son intérieur, d'apporter des changements, d'une meilleure luminosité, remettre un petit peu de l'ordre aussi dans ses papiers, dans ses affaires. Et on te dit que le ciel t'aidera. Voilà, c'est le ciel t'aidera à faire quelque chose. D'ailleurs, Bruno Mars vous dirait, c'est une belle vie, c'est une belle journée qui commence aujourd'hui à partir du moment que tu commences par t'aimer. Avant d'aimer quelqu'un d'autre, il va falloir s'aimer soi-même pour pouvoir distribuer l'amour autour de soi et la lumière. Donc, restez ancré, restez positif et vous allez voir ce beau papillon qui est en vous va pouvoir s'envoler, se libérer, se détacher. Place au message des anges pour tous les signes astrologiques et nous allons commencer par vous, mes amis les Capricornes. Alors, aujourd'hui, on va prendre un jeu, je n'ai pas choisi, donc on va faire en direct. Lequel allons-nous prendre? Je ne sais pas, peut-être nous n'en avons pas besoin aujourd'hui. D'accord, alors comme il n'y a pas de jeu préparé, l'univers ne veut pas visiblement que j'utilise un jeu. Donc on va passer sur de l'intuition. Alors mes amis, les Capricornes, aujourd'hui l'univers t'encourage à continuer, à avancer. Il y a le mot de la prospérité ici qui ressort, un projet qui prospère, une union aussi qui se solidifie. C'est également une journée où les choses avancent tout en douceur, tout se fait en douceur, tout se fait dans le meilleur des mondes. Il y a de la projection, de la prospérité aussi. Et on te parle d'une chance dans un rendez-vous. Soit on va t'offrir une opportunité d'un nouveau travail, d'une nouvelle responsabilité, soit en misant sur le fait de faire les choses différemment, eh ben, tu te permets d'attirer à toi de nouvelles choses, de belles choses, une transformation. Et d'ailleurs, ici, on a l'énergie des étoiles, l'étoile qui te parle de la protection. Et vous avez cette chanson qui vous dit « Un peu plus près des étoiles, au jardin des lumières d'argent, je ne sais plus, pour oublier, nanana, nanana. » En fait, c'est
votre chanson de cette journée. C'est aller au bout de vos rêves. Surpassez-vous. Aujourd'hui, l'univers t'encourage à te surpasser parce que tu attireras à toi des ouvertures, des possibilités, une transformation. Et oui, on te dit, on t'encourage à continuer d'avancer parce que quelque chose en vient, quelque chose de positif en sortira de cette aventure. Même si ça te semble un petit peu dur, même si ça te semble une... Alors par contre, on te dit il y a une vérité un petit peu mal placée, quelque chose qui est dite et qui pourrait un petit peu aussi soit t'offenser si ça te correspond à toi ou sinon c'est une vérité qui est à dire, mais on te dit attention, toute vérité n'est pas forcément bonne à dire, on te dirait. Mes amis les Verseaux. Alors mes amis les Verseaux, vous savez cette chanson qui te dit que s'il suffisait qu'on s'aime. Certains d'entre vous, il y a une grande remise en question aujourd'hui sur vos relations avec peut-être votre partenaire de vie actuel ou sur vos relations professionnelles, personnelles, de faire un peu le tri. De revoir un petit peu parce qu'il y a cette énergie, vous vous donnez beaucoup dans vos relations, vous investissez peut-être trop. Et du coup, au final, c'est vous qui en payez les conséquences. Vous êtes trop investi, trop. Et là, l'univers te dit, wow, prudence. On maîtrise ses émotions, on arrête de toujours vouloir donner, de toujours vouloir guérir les autres et on se recentre sur toi. C'est une énergie dans la journée, c'est de vous remettre en question. Remettez en question certaines choses qui sont dans un but de protéger toujours les autres. Et on te dit, même si cette personne te semble un petit peu tristounette, un petit peu maladroite quelquefois, tu n'es pas obligé de toujours la protéger. Parfois, il faut laisser tomber un petit peu les gens pour qu'ils se rendent compte aussi de votre valeur, que ce soit au niveau professionnel aussi. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours là dans un but de guérir les autres, dans un but de solutionner. Non. À un moment donné, il faut aussi se poser les bonnes questions et se dire que tu as le droit. Qui a le droit? Tu as le droit de dire non, tu as le droit aussi d'être toi, et c'est à prendre ou à laisser. Voilà, c'est aussi le fait de mettre un petit peu des barrières à certaines personnes qui ont plutôt tendance à profiter de vous, je dirais, dans un certain sens. Et là, on te dit, tu as aussi le droit, tu as le droit. Tu as le droit de dire non, tu as le droit aussi d'être fâché, tu as le droit d'être en colère. Et ce n'est pas toujours aux autres à toi de t'accommoder en fonction des autres. Voilà, c'est ça pourrait être votre énergie du jour. Mes amis, les poissons. Ici, il y a Madame est servie. Il y a l'énergie Madame est servie. Il se pourrait qu'aujourd'hui, vous fassiez quelque chose à contre-cœur, quelque chose qui vous semble déplacé, entêté, manipulé. Et c'est comme si on donne, quelque chose à contre-cœur ou quelqu'un qui vous donne quelque chose, mais c'est à contre-cœur. C'est fait. On voit qu'il y a une énergie que ce n'est pas fait avec le cœur. Ça, vous allez vous trouver dans une situation où vous vous sentez bien différent, rejeté, pas intégré aussi, une énergie de pas être intégré. Et là, on te dit, il y a cette énergie d'à contre-cœur. Il y a aussi à contre-courant de bien analyser les choses, de peser le pour et le contre, d'analyser. Et aussi, on te dit que tous les espoirs sont permis pour à un moment donné pouvoir te lancer. Et ici, il y a l'énergie de l'entêtement. Par contre, certains d'entre vous, il y a un fossé entre vous et une personne, une grande distance qui est mise, un point de vue totalement différent. Et là, l'univers te dit, recentre-toi sur toi, je dirais. Recentre-toi sur toi. Mes amis, les béliers. Alors, mes amis, les béliers, il y a cette énergie de découvert.
Alors, soit vous allez découvrir un nouveau lieu, soit vous allez découvrir certaines choses sur votre travail, sur certaines personnes aussi qui vous entourent. Et ça peut être également une énergie au niveau de vos finances, d'une dépense à faire, peut-être d'être à découvert. Et c'est aussi le fait de découvrir ou de finalement d'être démasqué ou de démasquer quelqu'un. L'avion ici te parle d'un partage, te parle d'un accident autour de toi, quelqu'un qui pourrait se blesser. Il y a quelque chose qui prend de l'ampleur ici. Certains d'entre vous, c'est soit sur votre confiance en vous, soit sur quelque chose que vous êtes en train d'apprendre, de nouvelles connaissances, et puis ça prend de l'ampleur, hein. Vous êtes bien, vous êtes là, vous êtes guidé, et on y va, on se donne les moyens. Il y a la connaissance des choses, avoir un regard différent. On te parle de ta protection, de bien te protéger aujourd'hui. Tu devrais recevoir le message d'un ami qui va un petit peu changer soit ta vie, ça peut être une bonne nouvelle te concernant par rapport à un travail, par rapport à autre chose, ou une nouvelle mais qui va te faire plaisir, hein. Quelque part un retour de bâton, un retour de circonstances, mais ou les circonstances qui sont atténuantes. Mais il y a cette énergie, oui, de se dire, ben voilà, il y a quelque chose ici qui en ressort plutôt favorable. Certains d'entre vous, vous allez en sortir d'une emprise ou d'une addiction. C'est aussi le fait d'être addict à quelque chose aujourd'hui. Soit vous êtes addict peut-être au sucre, soit vous êtes addict à faire toujours les choses d'un certain ordre. Et vous allez vous rendre compte parce que c'est... Il y a cette petite énergie-là qui ressort ici chez vous aujourd'hui. Vous êtes addict à quelqu'un. Attention. Mes amis, les taureaux. Alors ici, on te parle d'une perle, d'une aubaine, de la célébrité, quelque chose qui est mis en avant. Soit vous allez être reconnu pour votre travail, de toute cette énergie que vous mettez dans votre travail, dans votre entreprise, on reconnaît votre force, votre courage, votre ambition. Il y a la stabilité, quelque chose aussi se stabilise. Alors, soit au niveau de la santé, soit au niveau de vos relations autour de vous, où vous vous sentez beaucoup mieux. Vous vous sentez à votre place. Suite à une grande remise en question, et ben, il y a la stabilité. Par contre, certains d'entre vous, vous stagnez dans un sentiment, dans une pensée, dans une parole. Et on te dit qu'il va falloir te bousculer un peu. Là, vous avez cette chanson-là, de bouscule-moi un peu. Il va falloir un petit peu bousculer les choses, mes amis les taureaux, aujourd'hui. Il va falloir vous donner les moyens d'eux. Bousculer les choses. Allez-y. Avancez. Changez. Et s'il y a une cassure aussi, faites attention, certains d'entre vous, alors soit vous pouvez vous casser un ongle. Mais il y a aussi le fait de casser, et certains d'entre vous, vous pourriez vous blesser au niveau de vos articulations. Donc prudence. Mes amis, les Gémeaux. Alors mes amis, les Gémeaux, ici, vous avez l'énergie de copie. Soit vous copiez quelque chose, soit vous copiez quelqu'un, comme si vous cherchiez aussi à rendre un petit peu l'appareil. Ou quelqu'un qui vous copie au niveau de votre travail, sur votre tenue vestimentaire, sur votre façon de parler. Mais il y a une énergie de copie. C'est le fait aussi, faites attention de ne pas reproduire les mêmes schémas, les schémas du passé. Certains d'entre vous, vous êtes dans un besoin de reconnaissance que du coup vous n'actez pas forcément de la bonne façon. Alors certains Gémeaux aujourd'hui, vous devriez soit agir d'une façon qui ne vous correspond pas vraiment. Si vous écoutez l'énergie de votre cœur, vous allez voir que ce que votre cœur vous dit n'est pas ce que vous faites au jour d'aujourd'hui. Et il y a une grande remise en question. Il va falloir se poser les bonnes questions
Concernant ce que tu veux vraiment, est-ce que tu es sûr de ce que tu veux vraiment? Au niveau de ton travail, il se pourrait que certains d'entre vous, il y a quelque chose qui vous est caché. Si vous travaillez dans une grande entreprise, il se pourrait qu'on vous cache certaines choses. Prudence, parce qu'on cherche à vous faire sortir par la mauvaise porte et vous allez commencer à vous rendre compte aujourd'hui. Il y a de la jalousie, il y a certains d'entre vous, vous êtes face à des personnes ou vous-même, vous êtes un petit peu trop influençable. Ouais, certains d'entre vous, il y a cette énergie d'être un petit peu influençable. Vous pourriez souffrir de quelques problèmes de démangeaison ou d'avoir une volonté là d'y aller. Là, il y a quelque chose vous démange, cette envie d'y aller, de dire les choses ouvertement. Et ici, on te parle d'un voyage, d'un déplacement qui sera annulé. Mes amis, les cancers. Eh bien, on te dit que ça va faire du bruit. Quelque chose aujourd'hui va faire du bruit. Soit vous allez manifester votre colère, soit vous allez dire les choses. Certains d'entre vous vous parlent d'un contrat, vous parlent d'un mariage, d'une union. Et si on te parle de progéniture, d'excellence, alors vous pourriez, certains d'entre vous, recevoir un message de la part d'un de vos enfants, de la part de quelqu'un que vous aimez beaucoup, par rapport à une réussite, à un projet, à un diplôme, à l'obtention de quelque chose, soit c'est pour vous, vous concernant directement, mais on a quand même beaucoup cette énergie, quelque chose est accepté par rapport à quelqu'un de votre entourage. Les dés sont jetés dans une situation et certains d'entre vous, vous pourriez recevoir un coup de fil assez important. Certains d'entre vous, vous pourriez apprendre par contre une nouvelle assez bouleversante aujourd'hui. Parce qu'il y a une énergie de larmes. Peut-être c'est le fait de se retenir. Mais bon, pour moi, c'est par rapport à beaucoup une énergie de faim. Alors, on va dire les choses, puisqu'ici, c'est une énergie de faim. L'énergie de faim, ça peut vous annoncer un décès. La fin de quelque chose, mais ça vous fait un petit pansement au cœur au niveau de... Parce que pour moi, c'est quelqu'un, soit un animal de compagnie, mais il y a cette énergie de faim qui ressort ici. Ou quelqu'un qui va à l'hôpital, mais il y a une énergie comme ça, vous allez vous sentir un petit peu bouleversé par rapport à quelqu'un qui est de votre entourage. Mes amis, les lions. Alors ici, on te dit que c'est la vie. Certains d'entre vous, il y a une énergie aujourd'hui de ne pas avoir ce besoin ou cette envie d'être au-devant de la scène, d'être dans la lumière, ce besoin de se retirer, de s'isoler. Alors, vous avez une énergie assez rigolote, c'est que certains, vous pourriez découvrir vos enfants des poux. Il y a une énergie de poux ou de moustique, mais j'ai plutôt une énergie de poux et de faire attention aux poux parce que c'est comme si les poux arrivent. Vous n'allez pas savoir réellement où donner de la tête. Vous êtes dans une période de transition, de transformation. L'avion te parle d'un voyage, d'un déplacement à faire, qui se fera peut-être durant le week-end d'ailleurs. Et vous avez l'énergie de l'abeille. L'énergie de l'abeille, ici, vous parlerait de vos finances. Vous parlerait d'accroître vos finances, d'un déblocage de fonds.
ou de l'argent qui arrive vers vous. On pourrait vous annoncer une bonne nouvelle concernant de l'argent qui arrive vers vous. Mes amis, les Vierges. Alors ici, mes amis, les Vierges, on te dit qu'à force de te braquer, si vous êtes dans une situation où vous vous braquez, où vous restez obstiné, entêté, eh bien, vous risquez de tout perdre. Et vous avez un risque de tout perdre, mes amis, les Vierges, parce que c'est dû à un entêtement, quelque chose que vous ne voulez pas accepter. Certains, vous faites fausse route sur certains de vos projets. Il va falloir voir la vérité en face et faire des choix qui sont adéquats à ce changement. On te dit qu'il n'y a que la vérité qui blesse. Donc, si on te dit quelque chose dans lequel tu te sens offensé, ben on te dit que c'est peut-être qu'il y a une part de vérité dans ce que l'on te dit. Certains d'entre vous, on t'encouragerait à mettre la petite graine si tu veux voir fleurir un petit peu ta vie, que ta vie prenne une autre tournure. Il y a cette énergie de se cacher aujourd'hui, ce besoin de se cacher, des prises de tête, de se poser 50 millions de questions. Pourquoi ne pas vous poser 5 minutes? Allez dans un arbre, voir un arbre, enlevez vos chaussures et ressentez l'énergie qui circule et qui vient de la terre. Et confiez vos problèmes à l'arbre ou à quelqu'un qui sera à votre écoute, mais qui vous permettra de vous réaliser, je dirais. Mes amis, les balances. Il y a une énergie de jeu, de jouer le jeu. De cacher, parce que vous avez le mot cacher. Quelque chose pourrait vous être caché ou vous allez cacher quelque chose, peut-être dans un but de faire une surprise. Et on te dit, c'est la copie conforme. Soit vous allez rendre visite à quelqu'un qui vient d'avoir un enfant, soit vous allez avoir un enfant. Soit vous avez l'impression qu'un enfant vous dupe et que vous vous rendez compte que ce n'est que la copie conforme de ce que l'on vous a déjà donné. Comme si ça a été triché. Soit un enfant a triché, vous lui avez donné du travail à faire et il ne l'a pas fait par lui ou par elle-même. Et du coup, il y a cette énergie de tricher. Certains d'entre vous, vous pourriez avoir des douleurs au niveau de votre bas-ventre. Il va falloir remettre de l'ordre, revoir, parce qu'ici, il va falloir avoir de la vitalité. Il faut y aller, il faut se fou, fou, fou. Il va falloir aller voir en profondeur la situation, votre problématique et mettre les choses au plat. Et revoir les choses une par une. Et si on te dit de regarder la beauté de la vie parce qu'elle te permettra d'atteindre des sommets qui te sont totalement réalisables. Il faut juste que tu mettes de l'ordre. D'avoir une vision différente. Mes amis, les scorpions, mes amis, les scorpions. Alors, ici, on te dit de quoi t'as peur. Aujourd'hui, de quoi t'as peur. N'aie plus peur. Ici, on te dit, n'aie aucun doute de toi, n'aie aucun doute que les choses ne se passeront pas bien, parce que c'est plus tu le vibreras, plus les choses deviendront réalité. Plus tu vas croire en ce changement, plus tu vas te dire que oui, c'est pour toi, parce que oui, c'est pour toi, et que tu le mérites, plus tu l'attireras vers toi. Alors ici, tu vas prendre connaissance de certains documents, de certaines vérités. Vous avez l'énergie de la transformation, de la couleur, de votre ambition de... Ne doute pas
ne va pas au plus bas, tu mérites la transformation. Et vous avez la couleur orange. Ouais. Mes amis, les Sagittaires. Alors, mes amis, les Sagittaires, on t'invitera aujourd'hui à prendre du recul. Il y a le chakra du cœur aujourd'hui qui est pas mal sollicité. Très émotionné, c'est là que vous allez droit devant vous. Avec beaucoup d'émotions, vous laissez partir certaines relations. Il y a l'échappatoire, certains le fait de fuir. Acceptez votre vibration, acceptez votre responsabilité, acceptez d'être vous. Sentez-vous libre. Sentez-vous libre d'agir comme bon vous semble. Il y a la protection de tes anges face à certaines situations. Et on te dit, ne t'en fais pas, la roue, elle tourne. Mon ami le Sagittaire, sache que la situation qui pourrait te préoccuper aujourd'hui ne va pas rester stagnante trop longtemps, puisque l'énergie, comme on te dit, la roue, elle tourne. Et là, il y a vraiment, tu vas sortir de ce cercle vicieux et c'est aussi à toi de te donner les moyens, plutôt que de retourner à chaque fois tête baissée parce que tu crois aux autres, tu crois à ce que l'on te dit, tu crois que les personnes sont comme toi et qu'elles vont changer, qu'elles vont être dans de la bienveillance vis-à-vis de toi, mais tu te rends compte qu'à chaque fois, ben, il y a quand même de la trahison. Il y a un rappel à l'ordre pour te dire, arrête de faire trop confiance aux autres, arrête de te dévaloriser et reprends les commandes de ta vie. D'accord? Parce que à un moment donné, il faut aussi dire stop. Hein. Si vous avez le sentiment que c'est la personne ou la situation qui te préoccupe, bah ça ne va pas dans ton sens. Et ben l'univers t'encourage en tout cas à aller. On met fin à tout cela. On ne te laisse pas abattre. D'accord? Parce que ça ne vaut pas la peine. Et puis voilà. Prends ton courage à deux mains d'aller vers autre chose. Tu le mérites. Voilà, mes amis, c'était votre message des anges et de l'univers. Alors, je vais vous donner la réponse à une question. Donc, pensez bien à votre question, mais juste avant, je vais vous donner le mot-clé. Alors, je vais vous dire comment s'appellent mes jumeaux. Alors, mes jumeaux, c'est Preston et Casey. Alors, je vais vous les épeler parce qu'il faudra les écrire correctement. Si jamais c'est la question, c'est Preston pour Preston. Et son frère jumeau, c'est Casey, c'est Casey. 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 Voilà. Allez, c'est parti. Pensez bien à votre petite question. Tic, c'est bon? On est parti. La lame de la justice est retournée. Laissez tomber. J'en voulais une autre. Hein. Vous avez tiré le prince de bâton, le vent du changement souffle de votre côté. Vous en voulez une autre? On va en faire trois, c'est quand même bien. Chiffre 3. Un moulin à vent apparaît au milieu des feuilles de thé. La situation changera radicalement avant que ce ne soit résolu. Bon. La situation changera radicalement avant que ce ne soit résolu. Voilà.
Voilà mes amis, c'était votre message des anges et de l'univers. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager cette vidéo si elle vous a plu. Merci encore aux personnes qui regardent les publicités. Et si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent sur Instagram et Facebook. Et aux 1000 abonnés, nous allons avoir, comment dirais-je, un giveaway. Donc vous obtiendrez un cristal gratuit envoyé directement chez vous. Voilà. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous les amis.